Ah bah regarde donc. Ça voilà, Marcel qui rentre et la jeune femme qui sort. Tous deux dans la porte. Oups. Pardon madame. Non, mademoiselle, s'il vous plaît. Ah, excusez-moi. Ça se voyait pas d'où je suis. Hein. Heureusement que tu sais parler. Oh dame, qui dame, qui dame, qui dame, qui dame, qui dame, qui dame. Ah, les mots de la fin. Tu sais ce que c'est qu'un oxymore? Bah je veux, hein. Tiens, un exemple. Un silence assourdissant. Ça, c'est de Louis Aragon. Hein. Et puis celle-là, tiens. Cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Ça, mon gars, c'est Pierre Corneille. Et sans compter, une fidélité par jure. Ou un autre, tiens. Un suave péril. Et tous deux, c'est Horace. Hein. Alors, t'es écœuré, hein. Non? Ouais, mais juste une question. Oxy. Et plus loin, mort. C'est un pléonasme ou bien un oxymore? Alors, Kirsch et Guignolé pour conclure. Un plat du jour, œuf maillot, petit salé et un deux cafés pour le 3.